Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour la 30e vidéo, 30e partie de l'ouverture de l'été 2019. Ça, c'est sans compter toutes les bonus que je vous ai faites, les boîtes qu'on a ouvertes et tout. Donc, 30e partie. Et pour l'occasion, on rouvre 10 paquets aujourd'hui. 30e partie, je voulais me rendre à 30 vidéos. Donc, pour l'été 2019. Mais inquiétez-vous pas, il va y avoir des bonus au courant du restant de l'été. Donc, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, il reste environ encore 3 semaines et demie. À l'été, 3 semaines environ. Donc, je vais vous faire des bonus. Il va y avoir une ouverture aussi d'une boîte de Upper Deck, je crois, 2006-2007. Une Blaster que je vais poster la vidéo. Probablement que ça va être la prochaine ou très bientôt. Donc, vous irez voir ça, une Blaster, 2 Young Guns par boîte en principe. Donc, là, on rouvre 10 paquets aujourd'hui pour l'occasion de la 30e vidéo et la dernière. Donc, ensuite, c'est comme je dis, ça va être des bonus. Puis, pour l'été 2019. Donc, on se trouve un National Hockey Card Day Canada. Un Toronto Maple Leafs Centennial 7 Retail. Un Hobby Pack de 13-14 au Pichi. Un SP Hockey 2018-2019. Deux packs de 2017-2018 Upper Deck Série 1. Deux packs de 2018-2019 Upper Deck Série 1, un pack de 2016-2017 Upper Deck Série 1 et un Hobby Pack de 2018-2019 Upper Deck Série 2. Donc, il y a plusieurs chances de bonnes cartes, de bonnes Young Guns dans ces paquets-là. On va s'espérer quelque chose de gros pour terminer l'été, pour terminer l'ouverture de l'été. Et comme je dis, inquiétez-vous pas, il va y avoir des bonus prochainement aussi. Donc, Maurice Richard, Drew Doherty, Evan Bouchard, Rookie, Johnny Bauer et John Tavares. Donc, une petite recrue de Evan Bouchard. On y va avec le Maple Leaf de Toronto. Retail, celui-ci. Donc, on a Tyler Bozak. Celle-ci, c'est King Clancy. On a une Grand Fjord die cut. Donc, ça fait plaisir. Knight Clancy et Mitch Marner. Donc, celle-ci, c'est une... Hockey Hall of Famer, une petite insert également, qui n'ont pas une grande valeur malheureusement. La Green Fjord, ça fait plaisir quand même. Ensuite, on y va avec le OPC 13-14. Donc, Olli Jokinen, Bobby Ryan, Matt Culver, Ryan Garbutt, Jack Johnson, Eric Tangardi. On a une Brett Seabrook, Rainbow et une Kyle Turris Retro pour terminer. Ensuite, on y va avec le SP Hockey 2018-2019. SP, 5 cartes par paquet. Donc, on y va avec Tom Wilson, une Shane Monahan Blue. On a une Travis Dermott, pas mauvais. Travis Dermott, Rookie, Authentic Rookie. Wayne Gretzky, ça fait plaisir. Et une Carey Price pour la collection, la Carey Price. Donc, ça fait plaisir, une petite Travis Dermott, pas de numéroté. Quoique, j'ai regardé le Beckett, puis je crois que les numérotés valent moins cher que les Blue. Authentic Blue. Donc, on y va avec le premier pack comme ça de 17-18. Ivan Provorov, TJ Brody. On a une Young Gun de Jake Duchin. Donc, une petite Young Gun au moins. C'est mieux que rien. Pas un gros nom, malheureusement. Lightning de Tampa Bay. On y va avec le deuxième pack comme ça. Matt Murray, puis Carini. Checklist. Henrik Sedin, Dustin Brown, Alex Killorn, Dale Weiss. Que je vais mettre de côté, peut-être faire signer au courant de la saison. On va avec le premier pack de 18-19 Upper Deck Series 1. On en a deux à rouvrir comme ça. On va avec le premier pack. Corey Crawford, Sébastien Aho, Oscar Clefbaum, Brendan Montour, Marc-André Fleury, Vander Kane, Eric Stahl, TJ Brody. Un autre base pack. Aucune chance jusqu'à maintenant. Ben, aucune chance. On a eu des bonnes petites recrues, une Young Gun. Mais pas de chance. 2-3 base packs de suite. Et qu'est-ce qu'on a ici? Pas un autre base pack. Ouais, voyons. Un autre base pack. Et oui, un autre base pack ici. Donc, les deux 18-19, c'était des base packs. On y va avec le 2016-2017. Année recrue de Austin, Matthew, Mitch Marner, William Nylander et compagnie. Donc, on s'espère évidemment une bonne structure ici. Whoop-a-la. Ça a revolé ici. Donc, on repart. Ici,
J'ai accroché ma caméra, puis c'est vrai, c'est la première fois que ça m'arrive durant l'été. Pas durant l'été, depuis que je fais des vidéos, c'est la première fois. Donc, on a une Young Gun, et c'est une Young Gun de Zach Sanford. Ouais, Zach Sanford, c'est sûr. Petite Young Gun, rien de gros. On y va avec le dernier pack. 18-19 Upper Deck Série 2. Est-ce que c'est ce paquet-là qui pourrait cacher quelque chose de gros pour terminer l'ouverture? Tevo Teravainen, Victor Vetsin, et je crois pas, c'est une Patriots de Yuri Patriots Rookie de Anthony Cirelli. Donc, au moins, c'est une petite recrue. Donc, c'est ce qui conclut l'ouverture de l'été 2019. Comme je vous dis, ça conclut en partie parce qu'il n'y aura plus de vidéos numérotées. Donc, numéro 30, celle-ci. Le reste, ça va être des bonus pour l'été. Et je vais continuer les ouvertures quand même tout au long de l'hiver et de la saison de hockey. Donc, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié quand même deux Young Guns, quelques bonnes petites recrues. La vidéo, la caméra qui a revolé, mais on s'en fait pas avec ça. Donc, merci. Au revoir. À bientôt.